Bonjour la famille, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai du mal à me lever de mon lit. Aujourd'hui, on va faire une motivation. Vie de maman seule qui s'organise avec ses enfants et tout et tout. Là, je saute de mon lit, je mets mes lunettes et je vais commencer d'abord par aller prier. Et en tant que, comme nous les mamans, nous sommes toujours attentionnées, j'arrange un peu l'enfant, je regarde si Kézia est bien couchée, parce que c'était son tour de dormir à côté de sa maman aujourd'hui. Et là, je me dirige au salon pour pouvoir faire ma prière. Je vérifie d'abord si le déjeuner des enfants est bien en place. Et là, je commence la prière, je prie pour toute ma famille, je prie pour mes enfants, Iris, Cassandra, en fait tous mes enfants, et je prie pour Martin. Après là, quand je finis la prière, je soulève la grille pour aller faire mon petit déjeuner. Parce que sans petit déjeuner le matin, franchement, je suis rien. Il faut toujours que je prenne un bon petit café le matin bien chaud. Surtout quand les enfants dorment encore. Parce que là, elles sont encore couchées. Bon, avec la lueur de la journée, comme les grilles se sont levées, je pense qu'elles vont se lever. Je vous laisse avec les images. Je vais te faire du lait. Va te doucher alors. Tu finis, tu déjeunes. Il y a le Nutella et le pain. Et du pain. D'accord, mon cœur. Il y a Kézia qui s'est réveillée là parce qu'avec les bruits que j'ai pu faire là, elle s'est réveillée. Je vous laisse avec les images. Et comme il y a grève aujourd'hui dans l'école de Cynthia et de Kézia, dont elles ne sont pas parties à l'école aujourd'hui, et là, je profite comme c'est mardi. On va au marché périodique de Ménilmontant. On va là-bas pour faire quelques courses. Je vous laisse avec les images. Voilà, on va faire une grosse crêpe avec le lait dessus. Hein? Tu peux faire une grosse crêpe. Va t'habiller alors. Tu t'es brossé? Tu t'habilles, dès que tu t'habilles, je te fais une grosse crêpe avec le Nutella. Oui. Même comme c'est pas la crêpe, ça c'est le pain arabe. Hein. Mais c'est bon, c'est très bon. Tu vas faire alors. Mais je vais te mettre du Nutella dedans. Alors au pire, tu le fais en deux et tu le mets dedans. Oui, bien sûr, c'est ce que je vais faire, mon cœur. Le pain arabe. Bonjour la famille, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Léa Julie, maman de 4 adorables filles et d'une petite fille de 3 ans, ce qui me fait 5 filles. Je fais partie du corps médical français, j'habite en plein cœur de Paris. Et si je fais les vidéos, c'est pour motiver les mamans qui sont seules parce que pour l'instant, Martin n'est pas là, il est en déplacement comme je vous l'ai dit. Et il va revenir dans un an. Donc, du coup, pour l'instant, j'essaie de m'organiser en tant que maman seule avec les enfants et tout et tout. Et je vous montre comment je m'organise. C'est une façon d'être en contact avec vous. C'est d'être, de vous motiver aussi pour vous dire que ce n'est pas une fatalité quand vous êtes une maman seule, quoi. Donc, ici, ce n'est pas une façon de venir montrer si je sais trop cuisiner ou je ne sais pas trop cuisiner. Parce qu'il y a une abonnée qui m'a porté critique. Elle dit la couleur de mes beignets, ça ne donne pas l'envie. Je dois... C'est constructif, c'est vrai, mais s'il faut bien regarder la vidéo, c'est Iris qui a fait les beignets. Allez bien regarder la vidéo. Vous allez vous rendre compte que ce sont les beignets de Iris. C'est une petite fille et elle se débrouille juste. Je la coach aussi, je lui montre. Par contre, j'ai une vidéo, une ancienne de mes vidéos défilée sur mes vidéos, mes anciennes vidéos. Vous allez voir où moi-même je fais les beignets. Moi, quand je cuisine, c'est pas que je me jette les fleurs. Ça, c'est un truc naturel. Je cuisine très bien. Ça a un goût. Ça peut ne pas être sophistiqué aux yeux pour certaines cuisines, c'est vrai.
Mais moi, ma cuisine, c'est comme la cuisine des grands-mères. C'est très délicieux. Même Martin le sait. Lui, il sait qu'il a une femme quand il fait la cuisine. Donc, ici, ce n'est pas pour vous montrer. Je vous montre la vie de tous les jours. Si vous avez bien remarqué, dans plusieurs de mes vidéos, je ne me maquille presque pas. En fait, je vous montre ce qui est naturel, ce qui est vrai. Je ne viens pas vous montrer ce qui est faux. Je ne viens pas d'abord prendre le temps de me maquiller, le temps d'arranger tout et de vous montrer tout rose. Non, je vous montre la vie de tous les jours et j'aime partager avec vous. Donc, mon objectif ici, ce n'est pas de venir montrer je suis trop ceci, je suis trop cela. Non, c'est pour partager avec vous, pour qu'on s'échange. C'est vrai. Moi-même, j'ai vu quand même les beignets là, ce n'était pas trop rond. Mais bon, on ne va pas porter critique à un enfant. Hein? Ce jour-là, si vous avez bien remarqué, moi, par contre, j'ai assaisonné les ailes de dinde, mais c'est Iris qui a mis dans le plateau. Donc, elle apprend aussi. Quant au beignet, c'est même Iris qui a tout fait. J'étais juste là pour la coacher. Je lui ai dit, fais ça, fais ça. Et pour faire fuir les beignets, c'est elle-même qui était... Allez revoir la vidéo. Mais l'abonné me dit, ça ne donne pas envie, tout et tout. Mais les beignets, là, étaient doudés. Franchement, je t'assure, toi qui as commenté cette vidéo-là, si tu goûtes à ces beignets, franchement... Et puis, moi, je ne suis pas une vendeuse de beignets. Iris n'est plus non plus une vendeuse de beignets. Et puis, il y a les femmes, même parfois, elles viennent commenter comme ça. Peut-être chez elles, elles ne cuisinent même pas. Hein? Franchement. Mais moi, je travaille. J'ai cette charge déjà, mère de 5 enfants. Parce que Iris, c'est une petite fille. C'est moi qui m'occupe de tout. Elle m'aide, ça, c'est sûr. Elle peut doucher ses petites soeurs quand il faut. Parce que le matin, avant d'aller à l'école, on essaye de les apprêter et tout et tout. Oui, ça, elle m'aide. Mais les trucs de cuisine, elle n'est pas encore très apte sur ça. Elle apprend. Et laissez-moi vous dire, quand Iris cuisine, c'est très bon. Hein? Ça donne même l'envie de manger. Peut-être ces beignets-là, ce jour-là, n'étaient pas trop dorés. Mais jusque-là, c'était très bon. Donc, c'est vrai, il faut porter critique. Mais c'est un enfant. Il faut voir que c'est un enfant qui a fait ses beignets. C'est une petite fille. Donc, ici, c'est pour qu'on partage. Et puis, si tu aimes mes vidéos, tu attends quoi pour t'abonner? Et il faut savoir qu'il y a des vidéos, quand tu cliques, quand tu vois une fois, après tu ne retrouves plus jamais la personne. Hein. Donc abonne-toi, même si tu n'aimes pas mes vidéos, après tu peux te désabonner, c'est à toi de voir. Mais je pense que si tu t'abonnes, tu ne vas pas regretter, on va changer et tout et tout. Je pense que ces jours, Facebook a activé les commentaires. Donc vous pouvez commenter, on peut se parler à travers et puis tutoyez-moi, hein, vous n'avez pas besoin de me vous voyez parce que si tu l'abonnes déjà à moi, ça veut dire que tu es mon ami, on peut changer, on peut parler par les commentaires bien sûr. Donc, abonne-toi, laisse-moi surtout un commentaire pour que je puisse connaître que tu t'es abonné et que je te souhaite au moins la bienvenue personnellement. Donc, aujourd'hui donc, je vais vous faire une motivation, toujours vie de famille. Il y a Cynthia et Kezia, les bonnes dames, elles ne sont pas allées aujourd'hui à l'école, il y a grève dans leurs écoles respectives. Dans leur école, pardon, dans leur classe respective, apparemment, il y a grève là-bas. Pas apparemment, parce que vous allez venir me dire ici que donc je ne connais pas ce qui se passe dans l'école de mes enfants. Il y a grève et ça tombe bien, moi aussi, je n'ai pas travaillé aujourd'hui. Donc, du coup, je suis avec elle. Il faut qu'on j'aille les acheter les fruits parce qu'aujourd'hui, c'est mardi. Le marché de Ménilmontant ouvre aujourd'hui mardi et vendredi. Et ils vendent des fruits super moins chers. Vous-même, vous connaissez les marchés où il y a les Arabes. C'est moins cher. Donc là, maintenant, on va aller au marché de Ménilmontant. Je vais les acheter les fruits. Et là, je vais faire ma liste. Cynthia, donne-moi un stylo et un petit papier. Je vais faire ma liste de cuisine. Donc, c'est un peu ça. C'est vrai, les critiques constructives, je ne refuse pas. Mais ce jour-là, les beignets, là, c'est Iris qui les a faites. C'est Iris qui a fait ses beignets. Donc, c'est un peu ça. On est donc là pour partager et tout, alors abonne-toi, bisous, à tout à l'heure, après le générique, on se lance, à tout à l'heure. Là, j'essaye de faire mon petit déjeuner et après, je vais aller au marché avec les filles acheter les fruits. Parce que les fruits, pour mes enfants, je préfère ne plus acheter les jus maintenant. Hein. Donc, je les achète surtout les fruits. Et les fruits, c'est bon pour la santé, pour la croissance. N'est-ce pas, on dit souvent dans les pubs qu'on dit,
Manger 5 fruits et légumes par jour. Je ne sais pas comment on dit souvent. Manger 5 fruits et légumes par jour pour mieux grandir. Et même si ça me le rappelle toujours. Donc, je préfère acheter maintenant surtout les fruits que d'acheter les jus. Parce que les jus, ce n'est pas trop, trop bon pour la santé des enfants. Hein. Et là, je peux les prendre, laisser prendre les fruits autant qu'elles veulent. Hein. Et là, je préfère aller au marché périodique parce que là-bas, c'est moins cher. Vous allez trouver le kilo. Sûr, pas plus. Un bon kilo à peut-être moins d'un euro. Ça dépend parfois. 1 euro, parfois 1,50 €, ça dépend des prix. En fait, moi, je fouille, hein, quand je pars au marché, je marche d'abord comme il faut. Je n'achète pas, du coup, sur le premier. Donc, je défile d'abord partout parce que moi, j'ai le temps. Hein. Et là, je prends rapidement mon déjeuner. Il y a les filles qui essayent de se doucher. Les simples jours, quand elles ne partent pas à l'école, je les laisse se doucher toutes seules pour que je puisse souffler. Mais sinon, je préfère doucher moi-même mes enfants pour qu'elles soient vraiment propres. Parce que nous, les mamans, on se dit toujours, les enfants ne sont pas propres. C'est pas grave, laisse pour aujourd'hui. Éteins la lumière. Hein? Non, on dirait que tu as fait exprès. Hein? Non, j'ai pas fait exprès. Viens un peu. Oui. On met les poches dedans. En plus, faire exprès de ne pas me moindre. Bah oui, moi je me dis. J'ai pas fait exprès. Tu n'as pas fait exprès. En fait, j'étais en train de m'habiller, j'avais même pas pensé à me moindre. Après, c'est un peu quand je joue. Hein. Bébé, c'est de 15e, j'ai vu que j'avais oublié de me rendre. La belle-mère de qui? La belle-mère de qui? On va réchauffer pour le pain une minute. Et c'est très bon, hein. Je sens que tu vas aimer. Hein. Tu peux finir ça? Hein? Bah oui, si tu ne peux pas finir, c'est mieux de couper mon cœur. Tu prends ce que tu veux là-bas. Tellement le café là me fait du bien. J'aime, c'est le plus beau moment que j'aime chez moi, le matin comme ça, quand je me lève, surtout quand les enfants sont au lit. Hein. Donc j'ai un petit temps à moi, calme comme ça, je zappe la télé, je prends un café chaud, cocooning avec ma petite couverture sur les cuisses. Ah, j'aime ça dès. Mais bon, elles se sont réveillées, c'est quand même une princesse, hein. C'est pas parce que... Hein? C'est assez moelleux comme ça. C'est moelleux, oh là là. C'est bon? Oui, mon père. Maman, on peut même pas interdire la barre au papa parce qu'en fait, il n'y a pas de compte. C'est ce que je constate là. Hein. Tu parles quoi, Kézia? Non, je sais que c'est un mauvais exemple. Ah, pas de mal au grand. Peut-être que j'allais lui dire. Quoi? J'allais lui dire de monter sur les toilettes et d'ouvrir le grand truc là, il y a des serviettes là-bas. Mais elle ne peut pas arriver, mon cœur. Elle peut y arriver, hein. C'est juste qu'elle a peur que je lui. Ne lui dis pas de monter, elle peut tomber. On va lui donner une serviette. Mais tu t'es essuyé avec quoi, dans le lieu? Avec la serviette. Bah, bon, Tiens, je t'ai ramené ma cuillère. Tu veux que je te ramène un couteau? Tu vas quoi? Oui, chef, ça vient. Par contre, je suis très stricte avec les sucreries. Hein. Je suis obligée de charger le pain de Cynthia. Parce que si je la laisse faire toute seule, elle est capable de mettre toute la boîte. Hein. Et mon objectif, c'est pas qu'elle grossisse. C'est pas qu'elle devienne... Hein. Il y a les maladies en plus. Parce qu'avec du sucre, c'est pas du tout bon pour la santé. Et moi, je suis très stricte pour ça avec mes enfants. Hein. Je surveille de très près et tout parce qu'il y a les maladies, il y a le diabète tout et tout. Laisser les enfants prendre l'excès de sucre, c'est pas du tout bon. Ah oui. Ah oui. C'est vous qui avez grève. Ouais. Mais on n'a pas mis ça dans vos cahiers, vos grèves. Là. C'est bizarre. Si, dans mon cahier, si. Mais toi, ton cahier, on n'a pas mis. Ça. Mais je t'avais dit hier. De quoi? Que j'avais l'école. Quoi? Si, j'avais dit. Ben, tu vois, je vais t'amener à l'école tout de suite. Dès qu'on finit, on passe par l'école. Même à 10h, tu vas aller à l'école, d'accord? Elle a mal au cou, maman. Elle ne peut pas aller à l'école. Tu veux qu'on la gifle encore là-bas? Elle a mal au cou. Oui, on l'a dosé. T'as mal au cou? Sur le cou. Non. Ça veut... Divine. Elle s'est mise sur tes ailes. Elle a dosé fort le cou. Elle est costaude ou quoi? Oui, elle est grosse. Elle est grosse? Oui. Aïe! Et elle voulait me tuer l'enfant. Mais il fallait te défendre, mon cœur. Hein? Tu ne dois pas te laisser faire quand même. Mmh. Une Africaine ne se laisse pas faire. C'est honteux. Maman.
Non, maman, si tu vas la voyer comparée à Kenza, elle est grosse. Et hey, elle peut faire combien de kilos comme ça? Au moins dans le même poids que moi. Ah, elle a quel âge? Elle a redoublé. Oui, elle a redoublé. Ah, donc c'est normalement une CE2. Bah lui, elle devait être au CE2. Oui, elle est en CE1A. Attention, tu vas te salir, maman. Maman, va te brosser les dents. Vas-y, va te brosser et tu viens prendre ta tarte. Tu t'habilles et tu... fais vite, va te brosser, on va sortir. Tellement qu'Elsa est habituée à ce que je m'occupe d'elle, elle veut que j'aille lui brosser les dents. Mais là, je l'ai envoyée de force, il faut qu'elle apprenne aussi. Hein. Et là, après avoir pris le déjeuner, Cynthia et moi, on commence le ménage. Elle m'a vraiment aidée aujourd'hui, hein. Cynthia m'a surpris. Depuis que Iris est partie, depuis que Iris a eu sa chambre, en fait, elle est indépendante maintenant, elle vient de temps en temps m'aider, elle repart. Donc, du coup, je vis avec sa fille et mes trois filles. Et ça ne me dérange pas, je suis heureuse de vivre avec ma petite fille. Hein. Et là, je fais rapidement le ménage parce que je ne vais pas sortir et laisser ma maison comme ça en l'air. J'aime pas du tout ça. J'aime quand ma maison est bien rangée, tout est classé, tout est en ordre. Et quand je rentre, j'entre directement dans la cuisine. Je ne vais pas rester, je ne vais pas laisser ma maison avec des poussières. J'ai horreur de ça. C'est quand même un petit endroit cocooni. Et Kezia, Cynthia est en train de m'aider là à faire le ménage. Je laisse avec les images. Et comme Cassandra est allée à l'école, je vais entrer dans leur chambre, j'arrange son lit et je vais laisser Cynthia et Kezia essayer d'arranger leur lit histoire de les apprendre. Bon, je prends quand même la couette de Cynthia, je pense, oui, je mets en haut et elle va venir ranger son lit parce qu'il faut qu'on rende les enfants autonomes. Hein. Mais j'enlève d'abord les produits de maquillage de Cynthia, en fait, c'est des produits de maquillage, mais c'est authentique. Mais sinon, c'est pour les enfants, apparemment. Viens ramasser tout ce que tu as mis sur ton lit là. Ramasse tout ça, tu ranges. Et tu classes bien les livres là. Tu as tout aspiré? Mets un peu, baisse le volume de la télé. Chérie, monte alors, tu arranges ton lit, mon cœur. On va partir. D'accord. Ce sont tes gloss. Il est où mon petit sac à marbre? Tu as mis ton sac où? Tu as fini? Le doudou qui est en bas là, c'est à qui? C'est à qui ça, le doudou là? Le doudou là, c'est à qui? Cynthia. Arrange ton lit alors, enlève tous les gloss là. Cynthia, tiens. C'est les trucs de Cynthia? Et tu viens m'arranger ton lit, chérie. Papa a déjà arrangé votre télévision. Le petit glossier, elle est bien. Hein. Ça a arrosé. Ça a arrosé les lèvres ou quoi? Ça, hein? Tu le donnes? Non, merci. Ça allait bien. Hein. Même sur tes lèvres, je vois. Ça rose pas les lèvres, hein. C'est comme la vaseline en fait. Ah ouais, mais c'est pourquoi c'est rose? Attends, mais attends, moi je vais essayer. Ça rend pas les lèvres roses. Trop, tu vois, c'est dans la vaseline. Les gens qui fabriquent ça tombent, les enfants, ils croient que c'est rose. Et ça, c'est quoi comme la fraise là? C'est quoi ça? Ça sent trop bon. Sent... Attends. C'est quoi ça? Ça attends, sent. C'est pour les lèvres aussi. Regarde. Ça sent comme le bonbon. Hein. Oui. Santé, ça c'est pour sent les lèvres bon aussi. C'est pourquoi? C'est pour les lèvres. Range-moi tout ça, Cynthia. Range-moi tes trucs de beauté là, s'il te plaît. Dans ma main, il te faut une petite boîte. Tu mets tout ça dedans. Et ça, c'est quoi? C'est un gloss. Tu mets sur tes lèvres comme maman, ça. Maman, tout ça sent, c'est même comme les bonbons. J'espère que vous ne mangez pas ça. Non. Non. Mais ça me donne envie maman de manger. Mais ça. Oh, regarde aussi, regarde sans ça aussi là. Quoi? Tout ça sent comme le bonbon. Attends, attends, ça sent quoi? Ça sent le bonbon. T'as mis quoi dedans? Rien. Tu as mangé le pain au chocolat là, regarde ton ventre. Bon, les filles, il va falloir qu'on porte. Hein.
Vous êtes prête? Oui. Arrange ton lit, Kezia. Et toi, tu arranges ton lit, Cynthia. Moi, je vais... Tu as fini d'aspirer? Je dois chercher mon... Maman, et tu ranges l'aspirateur, nos... maman. Tu peux chercher nos chaussettes et nos chaussures. Oui, mon cœur. Oui, il n'y a pas de souci. Bon, je vais arranger ma chambre vite fait et puis... Moi, je cherche mon... Cynthia, enlève les habits si tu mets au sale. Là, je me suis réveillée. Là, je n'ai même pas... ouvert les rideaux. Pour aérer la chambre 5 minutes par jour. Et ça alors, un conseil, même s'il fait frais, comment toujours aérer la chambre par jour 5 minutes au moins pour éviter les odeurs. Parce que c'est important, il y a des maisons, quand tu entres, vraiment l'odeur de ça. C'est pas parce qu'ils sont sales, mais c'est parce qu'ils n'aèrent pas. Et c'est très important d'aérer les filles. Toujours ouvrir. Quand vous vous levez, ça doit être un réflexe. Tu ouvres même 5 minutes. Parce que même si vous mettez les déodorants, les quoi dans la maison et tout, les désodorisants, pardon. Autant pour moi. Ça n'enlève pas les odeurs. Le meilleur risque, c'est d'aérer la chambre. C'est très, très important, les filles. Cynthia? Tu peux venir m'aspirer un peu la chambre ici, mon cœur. Tu peux m'aspirer un peu la chambre? T'aspirer ta chambre? Oui, mon cœur. Okay. Tu sais que tu aspires bien, non? Hubert, aspira. Tadam. Super aspirateur. Et dans l'action. Voilà. On dirait une voiture qui démarre. Ne voyez pas comment elles sont motivées comme ça. Hein? Elles sont motivées comme ça parce qu'elles voudraient que je les achète quelque chose au marché. Et elles sont vraiment motivées parce que elles veulent une contrepartie. Et je connais vraiment ces filles-ci. Hein? Donc, elles sont motivées là et c'est une dette. Je dois les payer. Hein? Et Cynthia, parmi ces trois filles, la Cassandra, Kezia et Cynthia, c'est Cynthia qui aspire très bien la maison. Hein? Vous la voyez là. Est-ce que ça, c'est sale? C'est sale, Kezia, Cynthia? Oui, il y avait de la boue dessus quand j'ai... Ok, récupéré. Va mettre au sale. Et tu apportes un chiffon, tu donnes un petit coup sur ma coiffeuse, d'accord, chérie? Ok. Ok, je vous laisse faire ça. Bientôt, je vais m'apprêter, je vous laisse... mettre ça dans les culottes de Cassandra. C'est propre. Tu mets dans les culottes de qui? De Cassie. Tu vas t'apprêter et tu nous laisses faire tout? Si tu veux. Oui. Faut que j'aille m'apprêter, non? On a presque tout fini, là. On a fait un petit ménage. Et si on les sache pendant la route, est-ce que tu vas nous acheter des petits paquets de bonbons? Bien sûr. Tu oui le sais. Pourquoi tu aimes les bonbons, maman? C'est trop bon. Bon, je te laisse continuer le reste. J'aspire toute la chambre. Oui, mon cœur, s'il te plaît. Bon. Je vais vérifier la cuisine, si tout est bon aussi. Ah, Ruby est toujours dans son vlog. Ah, Cynthia a vraiment aspiré, hein? Et là, on va aller au marché. Là, il y a des plantains déjà. On va faire le plantain pilé au retour. Et ça, je vais mettre dans le lave-vaisselle. Et j'essaye d'éduquer mes filles comme j'éduque les enfants africains. C'est vrai, je ne le fais pas tout le temps. Mais je sens qu'il y a des jours où je me décide vraiment à le faire. C'est pour qu'elles puissent être autonomes quand je ne suis pas là. Qu'elles essaient aussi de faire un petit ménage, arranger un peu leur chambre et tout et tout. Bien sûr que les enfants d'ici ne le font pas trop, mais les miennes essayent, j'essaye vraiment de les éduquer. Et là, je vide le lave-vaisselle et je mets les petites assiettes qu'on a mangées avec dans le lave-vaisselle et je vais aller prendre une bonne douche.
Comme ça, on va se précipiter avant que le marché ne ferme. Parce que le marché de Ménilmontant, montant, là, ça ferme à 14 heures. Bien sûr, c'est l'heure où les choses sont moins chères. Mais bon, moi, je ne veux pas le moins cher. Je veux les bons fruits. Les fruits à... Parce que parfois, quand c'est déjà la fin, là, ils vendent les barquettes parfois à 1 euro, 2 euros, parce qu'ils veulent liquider. Ils ont peur que ça se gâte. Et le plus souvent, il y a les gens qui calculent cette heure-là. Mais bon, moi, j'ai des choses à faire. Je vous laisse avec les images. Oh, Champs-Élysées, je monterai, je grimperai, je ferai tout ce qu'il faut pour visiter le Champs-Élysées. Je ferai tout ce que je peux pour visiter le Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées, la 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 Mets d'abord dans la. la machine. Oh, Champs-Élysées, la 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 la. Oh, Champs-Élysées. Qu'est-ce qu'elle va prendre ce qui est au sol là-bas? Tu viens donner un cimetière. Champs-Élysées. De quoi? Les habits qui sont au sol là-bas, tu viens donner un cimetière. Lui, va prendre, c'est au sol. Et là, elle le fait en chantant comme une vieille femme. Hein. Elle est heureuse d'aider, tout et tout. Mais quand vous entendez les petites chansons là, c'est parce qu'elle sait qu'elle aura un cadeau. Et si je ne l'offre pas, c'est les problèmes. Vous connaissez Madame Cynthia. Elle est gentille, elle est toute joyeuse. Elle sait ce qui l'attend. Elle sait que les bonnes choses l'attendent, quoi. Donc, c'est pourquoi elle chante, elle est toute joyeuse comme ça quand elle travaille. La maman, c'est travail. Hein. Place, et tu places les plats là où on doit mettre les plats, d'accord? Et là, j'arrête de superviser et je laisse Cynthia se débrouiller comme une grande parce que là, il faut que j'aille prendre ma douche. Mais je suis toujours là, je ne fais que dire ça, mais je ne sais pas. Il faut maintenant que j'aille. Je m'en vais me doucher. À tout à l'heure. Je crois que j'enlevais ce pantalon. On va ranger dans la chambre de Iris. Non, la salle de jeu, on dit. Voilà, la salle de jeu. Ok, tout est bon. Et là, je demande à ma belle-mère Cynthia de ranger l'aspirateur qu'elle a utilisé. Ça me fait mal là. Où ça? Oh, je vais désinfecter ça. D'accord. D'accord, chérie. Oh, elle aime trop sa petite maman. C'est bien, Cynthia. Tu as beaucoup travaillé ce matin. Tu mérites des bonbons. Oui, on va acheter des bonbons. Oui, plein de bonbons. Et pour moi. Toi aussi, bien sûr. Vous avez trop travaillé quand même. Vous avez trop travaillé, non? Bon, je m'habille vite fait et on y va, d'accord? C'est quoi? Vous voulez que je porte quoi? Vous savez que je suis fan des pantalons. Bien, attendez, je vais moi-même chercher. Non, c'est long. Tu voulais que je mette le gilet là? Oui. En fait, non, pas celui-là. Mais tu as déplié, maman. Attends, je vais prendre moi-même. Je vais prendre, je vais prendre. Maman, c'est pas grave, je vais prendre moi-même. Laisse, je vais continuer, maman. Laisse, laisse, laisse. Ok, maman, descends-moi, Tizi. Attendez, je fais vite ton part, parce que le temps est passé. Hein. À tout à l'heure. Maman, les filles, je vais le faire moi-même. Une chaise. Et là, j'ai porté le t-shirt de Martin, parce que Martin me manque énormément. Je ne sais pas comment mon mari me manque jusqu'à ce point. Donc, du coup, j'ai pris son t-shirt. Vous voyez comment c'est comme une robe sur moi. Mais c'est le t-shirt de Martin. Ça fait en sorte que je me rappelle de mon mari, de son parfum. Parce que quand lui met un t-shirt, c'est quelqu'un qui est très fan de parfum. Et là, il avait mis le parfum. Il avait porté une fois, il a cintré. Et là, j'ai porté. Ça me rappelle mon mari. Oh là là, qu'est-ce qui me manque? Et là, j'ai fini de prendre ma douche. Je vais me maquiller. Je commence à me maquiller et tout. Je me débrouille. Ne vous C'est moquez pas hyper de bien moi, arrivé. Eva. Ouais. Ça sent bon. Ça peut tenir toute une journée. Ah ouais? Bah oui, tu savais pas? Non, je suis pas sûre. Je vais essayer voir. Est-ce que ça hydrate même bien? Oui. Oh! Oh, le Tes printemps. lèvres, ils sont roses comme une cerise! Ah.
Non, la cerise, c'est rose comme ça. Hein. Il brille en plus. Ah bon? Oui. Il brille. Bonjour. Maman, je peux te faire un tour de magie. Et là, Cynthia m'a proposé de mettre son gloss à la fraise et je ne voulais pas mettre mon rouge à lèvres aujourd'hui et je l'ai écouté. Malgré que le t-shirt de matin sent le parfum, mais c'est le parfum homme. Et là, je mets mon parfum à moi, un parfum femme, quoi. Faut faire la différence entre les parfums. Hein. Faut pas mettre le parfum homme et on peut reconnaître que vous avez mis... Hein? Je suis pas quand même une... Comme vous connaissez là, je suis quand même une femme. Donc, malgré que Martin a mis son parfum sur le t-shirt, je mets quand même mon parfum. Et là, comment vous me trouvez? Et là, il y a les échantillons que Iris m'avait ramenés parce que où elle est partie, tout et tout. Il y a une copine qui lui a donné les échantillons et là, elle m'a gardé ça. Elle a dit, regarde ça à sa petite maman. Pastèque. Et là, je fais ma liste de courses. Pastèque. Mais tu ne baisses pas les bras. Baisser les bras comment? Ne baisser jamais les bras. Pourquoi? Pour mes vidéos. Hein? Ah, que je ne baisse pas les bras sur mes vidéos parce qu'on m'a porté critique. Oui. Oh, elle est gentille cette fille, elle m'encourage. Mais seulement, tu n'as même pas plié ta couette. Hein. Je suis désolée là. Hey. Il faut aller plier ta couette, mon cœur. D'accord? Ok, on va acheter la pastèque orange. On va acheter quoi? Les bonbons. Ah, les bonbons, vous méritez. On a bien travaillé, on a aidé maman. Vous m'avez beaucoup aidé. Et on a été trop gentils avec vous. Bah oui, ça c'est clair. Et là, je laisse exprès Kezia plier sa couette pour qu'elle puisse apprendre quoi. C'est pour montrer aux abonnés comment tu plies bien la couette. Non, parce qu'il n'y a pas de place. Il y a de la place, maman. C'est juste pour montrer aux abonnés. Et plus vite. Et plus encore une deuxième fois. Plie encore une deuxième fois. Bravo, chérie. Ah, ça c'est une dame qui a arrangé son lit. Oh. Va aérer votre chambre, hein. Il faut mettre Gorier et Léonore. Et là, Cynthia arrange rapidement son lit parce qu'une femme ne doit pas sortir et laisser son lit sale. Du coup, elle a oublié de changer son drap parce que ici on change les draps en fait une fois par semaine parce que je ne vais pas leur dire de changer tout le temps. Ça va leur donner... Tu es la meilleure. Et le caddie. Pas sans le caddie, ma mère. Let's go. Maman, regarde. Je pense pas qu'on va tout trouver là-bas. Maman, tu peux me donner ce parfum là-bas? Hein? Ah ouais? Du coup, quand on prend le caddie pour sortir, je me rends compte que le caddie est un peu déchiré. Et là, je prends l'aiguille, je couds d'abord avant de partir. Maman, je dis. Une copine doit dire la vérité à sa copine. Si ça bouge plus, tu dois lui dire. Et après, elle va être mal à l'aise. Même si elle est mal à l'aise, au moins, c'est ta copine. Imagine, ça bouge plus et tu ne lui dis pas la vérité. Tu l'envoies juste des signaux, comme tu dis, mais. C'est pas la peine de faire l'hypocrisie avec sa copine. Tu dois lui dire, ta bouche pue, est-ce que tu peux essayer de brosser mieux ta langue? Parce que c'est la langue et les gencives. Et il faut que tu lui montres comment quand tu te brosses les dents. Ah oui. Tu vois, tu mets l'eau et tu brosses avec, tu nettoies les gencives avec le doigt. Ah, tu lui dis la vérité. Une fois, et tu vas voir. Moi, quand je me brosse les dents, je me brosse les dents pendant hyper longtemps. Donc après, j'ai pas la bouche pue. Maman, parce que maman, je t'ai appris comment brosser les dents. Maman, tu sais, au début, tu m'as appris, mais après, j'ai maman, commencé bah, à voilà, faire tout seul. Maman, oui, maman. Dis-moi. En fait, une fois, il y a un out, tu m'as dit. Il y a un out. Une fois, bah, Stella m'a dit que. Comment dire? Elle t'a dit quoi? Non. Elle t'a dit quoi? Mais heureusement, j'ai fui. Hein. Elle t'avait dit quoi? Elle a dit, moi, je suis amoureuse de Kezia. Comment ça? Et après, moi, j'ai fui. Et après, elle a dit, ah, je rigole. Ah oui, il faut vraiment qu'elle rigole, hein, parce que si elle est vraiment... Non, mais en fait, quand elle dit ça, en fait, du coup, je sais ce qu'elle veut dire. Quand elle veut dire ça, elle veut dire qu'en fait, elle aime trop sa copine. Ah oui, il faut, hein, parce que là, c'est... Avant, Anna aussi, elle disait ça à ses copines quand elle était petite. Elle disait que c'est parce qu'elle aimait trop ses copines, elle aimait trop ses copines. Du coup, elle ne sait pas ce qu'elle dit, alors. Ta copine, là...
Si elle est amoureuse de toi, c'est pas bien. En plus, sinon, elle n'est pas amoureuse de toi, elle a fait du sur la bouche. Alors, j'ai réparé mon caddie et on y va, les filles. Ouais, enfin. On dirait qu'il y a un autre truc. Oh non, 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 maman, toi aussi. Il y a un petit truc. Bon, alors, tu vas prendre un tout petit truc, après on y va, là. Let's go. Let's play. Panga. Un tout petit détail. Panga. Panga. Oh, mais tu t'es déjà assez parfumée, Cynthia. T'es déjà assez parfumée avec tous les parfums. Non, mais non, mais pas aujourd'hui. En plus, toi, tu me mets presque. Oui, mais pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Toi, maman, toi, t'aimes juste mettre le maquillage et une goutte de parfum. Même le maquillage, je mets pas ça tout le temps. J'aime être naturelle. Bah voilà, t'as mis être naturelle, donc du coup, tu me laisses ton parfum. On est bon maillé. Non, mais c'est pas. On est coquette, nous. Hey, de moi, je suis pas coquette. Non, toi tu es bio. T'aimes pas trop te maquiller. Toi tu es bio, maman. Oui. Toi tu es bio, non, on est coquette. Mais une femme ne doit pas être artificielle chaque temps, chaque jour. Non, non, mais bon, en fait, moi c'est. Tu vois mes maquillages là, maman. C'est rare quand je mets ça. Je mets juste ça, par exemple, quand je m'ennuie ou quand j'ai rien à faire. Sinon, après, je mets pas ça tout le temps. Hein. Non, mais pour de vrai, je mets juste le parfum. Ou être bio comme des petits trucs comme ça, sinon après. Moi je mets juste le parfum et des petits trucs comme ça, sinon après, je mets pas beaucoup de gloss. Ou de trucs comme ça, je mets pas. C'est le parfum que je dose beaucoup. Ah bon? Mais maman, on y va! Mais oui, je finissais de coudre mon caddie. Mais là, c'est bon, t'as cousu. T'as fait une interview. Vous avez pris les clés? On y va et toi, tu. Oui, je t'avais pas dit. Après, là, on est enfin prêt. Toi, tu en coudres ton caddie. Ouais. C'est quand on va vraiment être en retard là que là. Le marché fait ma 14, hein, ma mère. Oui, et au retour, on va passer. Au retour, on va passer où? Je vais aller faire une démarche administrative. C'est quoi, c'est quoi? C'est quoi ça, ça veut dire? Allez, quoi? Tu prends le caddie, tu mets le parapluie. Attends, maman. La bouteille, la bouteille. Mais il faut qu'on prenne la bouteille d'où là? Elle est où la bouteille? C'est pas là au sol? Let's go. On y va, c'est parti. Appuie le. Maman, j'aime pas. De chaussée. Tu n'aimes pas quoi? J'aime pas mes cils en fait, ils me dérangent trop. Comment ça, tu veux faire quoi de tes cils? En fait, mes cils, tout le temps, ils tombent dans mes yeux, donc du coup, ça me dérange et je peux pas les enlever parce que j'ai pas de miroir pour enlever. J'aime pas mes cils. Hein. En fait, c'est parce que je grandis qu'ils tombent de plus en plus et ça me fait mal. Oh la peau. Pauvre Cynthia, on ne peut pas, heureusement. Il fait beau temps, ça nous fait une belle balade. Ça nous fait une belle balade entre filles. Quand il y a de l'eau par terre, ça me dégoûte parce que c'est comme la diarrhée. On passe de ce côté. Oui, ils sont très bons, bonjour. Ils sentent très bon ton parfum. Allez, c'est parti les filles. Let's go. Des joints, moi j'ai pas d'argent. Hein. Avancez, avancez. On est très très sage, tu nous achètes des jouets. Un jouet à chacun. Ben vous avez été sage, vous méritez. Maman, un jouet. Un jouet à chacun. Un jouet et des bonbons. Après, c'est tout. Ta montre, là, tu as chargé. Tu n'as même pas mis en charge. Pourtant, c'est le rêve. Mais ça ne marche plus. Pourtant, ça marche. C'est parce que ce n'est pas chargé. Oui. Tu m'avais dit que c'est le rêve de ta vie. Et apparemment, tu négliges déjà ça. Hein. Oui, parce que c'est mieux. Ce n'est pas comme les autres. Il y a même, on ne peut même pas appeler. Il n'y a que des jeux, des photos, des vidéos. Ah, Berk, ils ont encore rentré dans le métro et ça a sonnété. Ah ouais? Ça c'est à cause de Titi qu'elle est traumatisée. Ah ouais? Oui. Avance, on va prendre le bus. Allez, parce c'est parti. Moi, c'est à cause de moi-même que je suis traumatisée. Moi, je regardais les affiches du métro au lieu de rentrer vite dans le métro. Donc, du coup, ça a failli se faire entre moi. Et là, monsieur, il a ouvert les portes avec ses mains et du coup, je suis rentrée. Mais ça m'a fait la peur de ma vie. J'étais traumatisée. Et là, je me suis promis que tout le temps, je vais faire attention à maman. Plus ah ouais? Soit je marche à pied, soit. Tu prends plus le métro? Non, moi je marche à pied. Ah ouais? Du coup, il te faut alors. On passe comme ça, les filles, là-bas? On va prendre le bus là-bas. Finalement, comme la rue qui passe dans le marché passe devant chez nous, finalement on est allé à pied. Hein. Et là, les enfants marchent à pied. Ça leur fait aussi une petite balade au printemps. Ça fait en sorte qu'on prenne un peu d'air et tout et tout. Et ça leur fait aussi. Le marché est là. Le marché de Ménilmontant est là. C'est beau ça, non?
C'est combien ça? Ça c'est 18. Je donne à 18, madame. 15 euros. C'est combien de places? Maman, ne prends pas ça. Je ne prends pas ça. Moi, ça me plaît. Moi, je te dis, ne prends pas ça. Les trucs comme ça, c'est toujours une arnaque. Ah ouais, je prends pas ça. C'est beau comme ça, mais ça se voit, ça se salue. Ah bah ouais, je prends pas. Mais c'est moins cher en plus, chérie. Mais on prend pas, moi je te dis. Après, tu fais comme tu veux, mais moi je te dis, ne prends pas. T'es sérieux? C'est moins cher en plus. Prends pas. En plus, avec quoi tu vas prendre? Ça va prendre toute la place du caddie. Hein. Ne prends pas ça. D'accord, on y va alors. Les bons trucs à 5 euros. Hein. Je fais pas quoi, tu ne sais? Tourne pas la tête là-bas, sinon je vais dépenser. Non, mais c'est joli là, oui, regarde oui, là-bas. Maman, ne regarde pas. Je ne regarde pas. Mais pourquoi vous me tirez comme ça, j'avance? Vous savez pourquoi les filles font ça? Elles font en sorte que je n'achète rien. C'est parce qu'elles veulent économiser mon argent. Elles se disent que si j'achète quelque chose, elles n'auront plus de jouets. Donc, elles sont en train de me convaincre là pour économiser, pour que je puisse les acheter les jouets. Vous connaissez très bien Cynthia. Elle se dit qu'elle est trop sage. Du coup, elle entraîne Kezia dans ça et elles sont là. Elle a dit à sa petite sœur, hein? Elle a dit à sa petite sœur que si maman dépense trop, on n'aura plus de jouets. Donc, il faut qu'on puisse convaincre maman à ne rien acheter et qu'on achète juste les fruits. Et là, maintenant, elles sont devant ce qui les plaise, quoi. Et là, je les laisse se faire plaisir. Mais jusque-là, Cynthia ne trouve pas son compte parce que dans sa petite tête, elle veut économiser pour qu'on les achète des meilleurs jouets. Je lui demande même les trucs qu'elle aime d'habitude, mais elle ne veut pas, elle ne veut rien prendre absolument. Même au niveau des fruits, vous allez voir comment elle va prendre un peu de fruits. Tu vois, c'est costaud, non? C'est des clémentines. Tu veux pas qu'on prenne? C'est tout ça? Mais c'est petit ça, maman. Il faut ajouter. Je vois. Il faut ajouter. Et maintenant, quand elles sont devant les jouets, elle ne veut plus l'économie, elle ne comprend. Elle ne parle plus de l'économie. Hein. Là, elle ne se retient pas. Elle me dit, maman, s'il te plaît, je peux prendre 2, 3. Maman, s'il te plaît. Vous voyez comment Cynthia est dangereuse? Cynthia, regarde ça. Je sais pas, fais voir. C'est quoi ça? Et ça c'est quoi? Non mais chérie, un seul, pas deux. Parce qu'en fait j'ai envie de prendre... Oui, prends un là. Tu as été très sage, ouais. Mais toi aussi, prends. Tu prends quoi? Choisissez deux trucs et puis c'est bon. Fais un peu voir la barrette là, c'est joli hein. Où tu as posé ton bras là? Fais voir. Ah ouais, mais ça a l'air cool là. Hein. J'ai acheté les jouets de filles et finalement le monsieur là m'a donné la barrette là cadeau et là je viens acheter les pilons de poulet. Et là, comme je ne suis pas loin de la gare du Nord, je prends le bus en direction de la gare du Nord pour faire une petite démarche et après la gare du Nord, on va rentrer à la maison. Je vous laisse avec les images. Enlève le plastique et tu laves la pastèque. Détache d'abord des autres oranges là, tu mets ici. D'abord je lave les oranges? Ouais. Donne. Sors d'abord tout ce qui est dans le sac là. Viens, commence par la pastèque. Donne-moi la passoire. C'est où? Et comme aujourd'hui, c'est mon jour de chance, elle est heureuse comme je l'ai acheté les jouets. Elle est plus que motivée à m'aider. Et là, je profite un peu et ma fille m'aide. Les trucs de toilette aussi, en bas. Dans le sac, il y a encore quoi? Sort tout, ma mère. Ça, on a pris à combien? 1 euro. Ça, j'ai pris ça à 1 euro. Ça, 1,50 €. Ça, 1 euro. Et ça, 1 euro. Oh, j'aime bien ce savon liquide. C'est beau. Ça, 1 euro. Le grand sac. Ça, 1 euro pour le goûter des enfants. Et là, tout est bon dans le sac. Ouais. Ferme alors le sac. Les pommes de terre, oui, on va faire ça avec les
filon là. Et après, il y a aussi ça. Les courgettes. Mets les courgettes les là. Les courgettes. Et mes feuilles se sont écrasées. Oh, on va mettre, il va laver. Je mets au congèle ça pour faire le poisson. C'est très bon pour faire du poisson. Oh, le poisson, une bonne là, sauce, il sera bon. Une bonne sauce de poisson, oui, ça sent bon le basilic frais. Maman, je vais nettoyer le poulet, j'assaisonne pour demain. Comme ça, quand je rentre, je vais le faire demain. Il y en a qui tombent, maman. Je t'ai dit que ça allait pas suffire. Elle est où ta troisième passoire là? Est-ce que t'en as aussi une quatrième? Mm-hmm. Ah bah, donne-moi tout. La hein. Même six. Donne-moi tout, maman. Fini la première. Maman, pourquoi tu as plus rien? Je m'en vais bien avec. C'est parce que c'est sale que c'est comme ça. Si on lave bien, ça va pas être comme ça. Je n'aspire pas l'eau, je lave bien. Alors lave. Regarde comment ça devient propre, maman. C'est juteux. Donne-moi encore une autre passoire. Mais d'abord, donne-moi une passoire, maman, s'il te plaît. Oui. Ah oui, on a besoin de beaucoup. Oui, madame. Il dérange. Quel dérange. C'est trop bien. C'est de me souvenir de la classe découverte toute ma vie seulement. Maman, regarde comment c'est gros. Hey. Pourquoi? Au lieu d'acheter les jus, je peux pas acheter les fruits comme ça. Tu vas faire un jus d'orange. C'est mieux de sucer bio. Oh, tiens, suce toutes les oranges là. Comme tu dis que c'est normal, suce les oranges molles là. Non, mais ça, c'est pas un problème ça. C'est notre des problèmes. C'est sucré, maman. C'est quelle raison de joy les oranges ça. Mais sucré, j'ai. Moi, je pense qu'une autre orange va suffire. Une seule. C'est bon. 1, 2, 3, 4. Maintenant, je vais pouvoir mettre ça là. Ah, c'est lourd. Maintenant, les bananes, là, les bananes. Vous avez vu, je préfère acheter comme ça que d'acheter les jus. On a plein de fruits là. Et c'est, non seulement c'est bon pour la croissance, la constipation. Et c'est bien. Les fruits, là, c'est la pastèque. Madame qui en raffole des pastèques. Je te fais la pastèque, d'accord? C'est mon fruit préféré. En deuxième, c'est l'orange. Enfin, vraiment, les oranges et la pastèque, c'est mes fruits préférés. Tu me laves ça, tu m'en fous dans les courgettes. Tu fais du poisson, je vais laver moi-même.
Du poisson, oui, je dois nettoyer le poulet, j'assaisonne. Comme ça, quand je rentre demain du travail, je mets au four. T'as pas bien. Besoin de faire ça, si, ça. Je mets ça au four. C'est bon, j'ai nettoyé un peu le temps de travail. Maintenant, je vais passer à ça. D'abord, je vais laisser ça sur le plan de travail. D'abord, je vais laver les bagages. Et là, je fais la pastèque à Cynthia parce que c'est elle qui aime la pastèque dans la maison. Donc, j'ai acheté ça surtout pour elle. Mais finalement, je vais sucer ça même plus qu'elle-même. Excusez-moi pour ma gourmandise des fruits. Hein. J'aime trop les fruits. J'en raffole des fruits. Donne-moi un plat. Je t'aide, mon maman. Tu te laves les mains. Donne-moi un plat. Toute la journée, je t'ai aidé. Bah oui, je t'ai acheté les jouets. Vrai ou faux? Oui. Tout le temps, quand je veux être sage, tu vas m'acheter les jouets. Mmh. Tu mets les trucs de pastèque là-dedans. Okay. Mais est-ce que tu peux m'enlever les pépins, s'il te plaît? C'est ce que je suis en train de faire, madame. Tu mets tous les trucs de pastèque. Ça ne veut pas dire que si tu feras, chaque fois que tu vas faire, mais quand j'aurai l'argent, bien sûr. On t'aura l'argent, tu vas si, sinon, ça sera comme si je te paye. Oh. Est-ce que c'est bien que je te paye? C'est pas bien, ça. Non, mais je peux très bien faire, si, même si tu ne m'achètes pas. Ben voilà. Mais le jour que je suis très contente, je t'achète. Mais c'est pas bon qu'une maman paye quand même sa fille, c'est bizarre. Alors que c'est le chez toi. Hein. Maman, peux-tu me donner une autre passoire, s'il te plaît? Un passoire pour les bananes? Bah oui. Tu peux poser sur les fruits là. Ça va pas suffire. Bon, ok, je vais poser. Je vais essayer. Maman, tu vois le grand bol, la grande assiette là. La grande assiette là où tu mettais avant là, les fruits. Même sur une vidéo, t'as montré le grand bol là où tu mettais plein de roches. Il y avait les fraises, il y avait. Quand tu vas ressortir le gros plat là. Non, on va mettre des kilos, c'est bon, non. Faut que tu la tapes. Oui. Oui. Oui, c'est mieux. C'est pas mieux quand c'est prêt. En gros, si tu me prêtes, mais de temps en temps, par exemple, quand on mange tous en famille, bah, tu sors les fruits. Hein. Ah non. Ça fait longtemps qu'on mange plus en famille. Ah oui, hein. Je suis très d'accord avec toi. Hein. On va reprendre ça. C'est que je suis aussi très occupée, c'est pour ça. Hein. Très occupée, maman, de réussir son travail et après sortir avec ses filles. Maman. Bon, chérie. Tu vas nous acheter des glaces en été? Bien sûr. Tu demandes encore la réponse. Beaucoup? Beaucoup, maman. Je crois qu'elle travaille pour qui? Voilà, pour mes princesses, que mes princesses soient à l'aise. C'est pourquoi je ne fais pas des petits métiers de 800 euros, de 1500 euros. Je fais les métiers à partir de 2000 euros en montant. J'espère que tu vas réussir, hein, maman. Réussir quoi? Bah, ton travail. Bah, oui, réussir. Par la grâce de Dieu. La pastèque là est sucrée, hein? Alors on ne finit pas tout, hein, comme c'est sucré là. D'accord, chef. Après, je vais encore laver la pastèque quand même. Non, c'est bon. Là. T'es sûr? C'était des verres, mais c'était propre. Je vais laver en plus. Hein. Non, ne fais pas ça. Ah là là. Quand ta mère te dit un truc, il faut écouter, maman. Si tu mets l'eau, ça sera bizarre, ça ne sera même pas sucré. Oh là, ça a du goût. Donc ça. C'est comme si tu lavais le sucre. Mais est-ce qu'on rajoute du sucre dans les fruits? Non, on n'ajoute pas le sucre. Il faut être bio. Il faut que ça soit bio. Non, laisse les courgettes là dans la bête. Dans le truc. C'est bon, tu peux prendre tes trucs, tu vas sucer. Tu vas prendre ta pastèque et tu vas sucer. J'ai bien travaillé. Tu vas pas quand même finir tout. Tu vas finir ta pastèque tout de suite. Mais moi, c'est vrai qu'on lave les concombres avec le comment ça s'appelle même? Le comment ça? Le sel. Pourquoi? Je n'ai jamais entendu ça, moi. Là, c'est des courgettes, ça fait pas des concombres. Ah, parce qu'il y a des gens qui font ça pour que le concombre soit bien coupé.
Merci, viens prendre les oranges, tu amènes dans le frigo de Iris. Ok. Beaucoup d'oranges comme ça. Ok, je n'arrive pas à ouvrir ça. Ah, t'as fait comme ça, toi. Tu vas mettre aux toilettes. Tu sais que tu es derrière une femme responsable. Hein? Tu sais ça. Tu sais comment mettre aux toilettes. Ah oui, oui, je sais. On va mettre alors. Ça sent bon. Hein? Et tu viens prendre l'eau. Tu mets dans d'autres toilettes. J'ai tellement enjoyé la pastèque de Cynthia que j'espère qu'il n'y aura pas les commentaires que j'ai trop mangé ça. Hein? Ou bien les filles. Je te donne ça. Toi-même, tu es content. Arrêtez-moi ça, hein? Les filles, arrêtez ça, s'il vous plaît. Mais je garde une boîte à goûter. Vous avez combien de boîtes de goûter, même? Je ne sais pas. Demain, vous restez à l'école, non? Oui. C'est mercredi en plus, donc il te faut ton goûter, c'est ça? Demain, c'est mercredi. On vous donne le goûter au centre, ou bien tu ramènes ton goûter? Non, c'est pas bon le goûter des blancs là. Cassie, viens prendre les habits ici. Non, tu vas casser, tu vas te casser. Cassie! Ça. Toujours les trucs blancs, tout ce qu'on a à côté, non? Sinon, mets ta pastèque au frigo, si tu manges plus. J'ai assez mangé comme ça. Attention à toi, Kézia. Yes, t'as piqué mes fesses. Arrête. Le moment où je meurs. Moi, la fesse. Pique tes fesses, tu as les fesses. Et là, je vais assaisonner les courgettes, en fait, tous les légumes et le poulet. Avec la moutarde, poivre, mayonnaise. Je vais mixer tout, je vais mélanger tout ça, je vais faire tout le mélange et je vais mettre au frigo. Je vais laisser ça au frigo. Et demain, quand je rentre du travail, je vais mettre au four. Donc là, je vais découper les courgettes, poivrons et tout et tout. Et vraiment, merci d'avoir regardé. Oui, si tu as aimé ma vidéo, je te demande de me laisser des pouces, des commentaires et surtout, fais-moi signe pour que je puisse te souhaiter la bienvenue personnellement. À bisous. Je vous aime.